Nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet voilà, qui retombe souvent, d'accord ? Un sujet par rapport au VPS, très simple donc. Beaucoup de monde demande qu'est-ce qu'un VPS, à quoi sert un VPS, comment le mettre en place, d'accord ? Donc on va répondre à cette question, on va en même temps leur montrer comment tout simplement prendre leur VPS et les amis, juste en dessous de cette vidéo, vous aurez un lien qui vous permettra d'aller prendre votre VPS pour pouvoir vous inscrire sur votre robot. Donc Marwan, je te laisse expliquer qu'est-ce qu'un VPS, comment s'inscrire et à quoi ça sert. Alors tout simplement, un VPS, qu'est-ce que c'est ? C'est un serveur dédié qui va vous permettre de simuler le fait que votre PC soit tout le temps allumé, d'accord ? Lorsque votre PC est éteint, ben forcément le robot ne peut pas fonctionner, d'accord ? Donc il ne travaille pas 24 heures sur 24, d'accord ? Alors que sur le serveur dédié, lorsque vous installez justement votre MetaTrader dessus et que vous mettez le robot dessus, ben sur ce serveur-là, même si vous éteignez votre ordinateur portable ou PC, peu importe, ben, ce qui va se passer, c'est qu'il va continuer à fonctionner, d'accord ? Donc, par rapport à la question de qu'est-ce qu'un serveur dédié, donc VPS, je pense que j'ai répondu. Maintenant, je vais enchaîner directement à quoi il sert, donc je l'ai dit aussi d'ailleurs, et comment le mettre en place. Donc, comment le mettre en place ? Vous avez juste à passer sur le lien que Maxime vous mettra juste ici. Et lorsque vous avez cliqué dessus, vous suivez les tutos du PDF qui seront juste là ou en dessous de la vidéo, d'accord ? Et vous suivez pas à pas ce qui est donné dans ce PDF, d'accord ? Et derrière, bah, vous aurez votre VPS et vous pourrez installer le robot. Ok, super. Donc vous avez juste à suivre le lien, les amis. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est que là en direct, je vais vous montrer comment vous inscrire sur votre VPS. Ok, les amis, donc tout bêtement, on va faire quelque chose de très simple. Vous allez sur votre adresse mail. Sur votre adresse mail, vous allez avoir donc, le message qui a été envoyé soit directement par le gestionnaire au niveau de Robinhoodbot l'adresse mail, soit directement au niveau du site internet quand le gestionnaire a validé votre compte. Alors, donc logiquement, vous avez reçu, si vous êtes en manuel, votre tuto VPS et la présentation Robin. D'accord, les amis ? Donc, voilà. Vous avez tout qui va être, tout va être expliqué ici, d'accord ? Tout va être expliqué au niveau de ces tutos-là. Suivez-les vraiment de A à Z. Si vous avez le moindre souci, contactez l'équipe TeamViewer par la suite. Si vous avez un problème au niveau de l'installation de votre robot. Okay, donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va télécharger ce tuto-là et on va tout suivre de A à Z. OK, les amis ? C'est parti. Ah, hop, on a reçu. Voilà. Ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement cliquer sur ce lien-là qui va nous emmener directement sur le VPS. Derrière, on a notre tuto VPS et on va prendre notre VPS. C'est parti. Choix de la formule. Ce VPS est affiché au prix de 4,99€. Cliquez sur Customize and Order. OK, les amis, donc on va prendre celui-là tout simplement. Choisir le VPS SSD. Vous ne prenez pas la tête, vous n'allez pas plus loin, les amis. Hop. Au niveau des options, comme vous pouvez le voir là, défilez vers le bas dans la partie Operating System, comme expliqué. Ensuite, choisissez l'option Windows Server 2016. Celle-ci. OK, on passe commande. OK, donc là, vous allez rentrer toutes vos informations, d'accord ? Ensuite, très simple, vous payez, voilà, hop. Ça a été payé. Back to home page. Ensuite, ce qu'il va y avoir à faire, ça va être tout simplement d'attendre. OK, c'est d'attendre, les amis, d'accord ? On a passé notre commande, comme vous l'avez vu ici. Hop, on l'a payé. Voilà. Donc là, on est inscrit au VPS, tout simplement, les amis. Ensuite, au niveau de comment vous connecter à votre VPS, ça va être très simple. La suite va être directement sur le tuto écrit. Voilà, les amis. Vous suivez de la même façon. Vous suivez de la même façon et votre robot sera connecté directement. Si vous avez le moindre souci, vous contactez l'équipe TeamViewer, les amis.